téléphone qui vient de sonner. Voilà. Donc bonjour à tous, on est mercredi matin. Donc là j'ai coupé à côté d'Orléans, au-dessus d'Orléans quoi. Puis là c'est direction Blanzy, Mont-sur-les-Mines quoi, à côté. Pour les vider ça.
on est sur la RCEA. Donc je suis à 80, un peu, petit peu plus de 80 parce que ça descend un peu. Je laisse couler. Et ben derrière, il y en a un qui me colle aux portes. Alors que de toute façon, que j'avance plus vite ou pas, devant il y aura toujours la dizaine de camions que vous voyez là. Donc ça sert à rien de rouler. Mais bon, les gens ils comprennent pas, ça j'arrive pas à comprendre. Ils sont à tes portes et ils lâchent plus quoi. Alors qu'il est 10 mètres derrière, ça change rien quoi, il va aller aussi vite. Hein. Mais bon, c'est bien le problème. Il y a que les zones de travaux, donc c'est 70. Donc, ça va encore se rapprocher plus. Voilà, donc les travaux de la RCEA, ça avance hein, petit à petit. Là, on est au niveau de Genlard. Quoi. Un peu avant Genlard d'ailleurs. Parce que le tronçon de Genlard est quasi fini. Donc c'est sûr que la RCEA est bien moins dangereuse qu'avant. Hein. Depuis le début, il y en a un paquet qui est passé en 2x2 voies. Donc vivement qu'elle soit en 2x2 voies d'ailleurs. C'est vrai que là, en 2 ans, là, ils ont bossé quand même. Hein. Ils ont pas mal avancé. Faut pas dire le contraire. Ah, donc là, on est à 81. Là, ils vont bientôt l'ouvrir, normalement. Elle devait être ouverte la semaine dernière, je crois, mais je comprends pas. Elle est toujours pas ouverte. En 2x2 voies. Voilà. Donc je vais enlever la clim hein, parce que ça fait un bout de temps possible. Donc je viens de vider mon client là et je vais recharger pour je dois recharger je sais pas où. Je sais pas où, si je sais où, mais je sais pas pour où, je crois que c'est à Angers. Et apparemment je compléterai une partie au dépôt, donc on verra bien. Je ne sais pas pour le moment plus que ça. Donc l'usine est un peu perdue. Hein. Mais bon, ça se fait. Faut surtout connaître où elle est, parce qu'en fait, par l'autre côté, il y a un pont à Hâcon, et je crois même qu'il fait pas, il doit être à 4 mètres, je crois, le pont. Je sais même plus, mais je crois qu'il est bas. Alors, c'est pour ça que moi, je passe par là. Hein. Bah, c'est le plus rapide. Hein. Donc bon, voilà. Il y a la fenêtre ouverte. Il y en a une qui ne veut pas s'éteindre. Donc j'ai rechargé dans la même usine que lundi matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Où j'y ai passé de 11h à je ne sais plus quelle heure, 14h30. Et bien là je suis arrivé à 14h. Et là il est 18h10. Et je repars que maintenant. Pour 9 mètres de plancher, hein, pas incomplet. Hein. Et maintenant là je vais au dépôt. Et je vais compléter au dépôt. Donc ce que j'ai chargé c'est pour boucouser. Enfin, pas tout à fait, mais à côté quoi. Et l'autre, je sais pas, apparemment ça serait Nantes. Donc on verra bien. Mais bon, voilà, encore 4 heures de paumée. Donc ça fait que dans la semaine, chez ce client, j'ai quand même passé 8 heures quoi. Ça fait une journée de travail pour quelqu'un de normal. Enfin, normal, entre guillemets quoi, je veux dire, ça fait un poste de quelqu'un quoi. 8 heures à attendre dans une. Bon, je comprends pas, mais bon, hein, mais... ça serait moi, ça serait vite vu, mais bon, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, il fait un temps magnifique en Bourgogne, comme toujours, d'ailleurs.
peut le dire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ici qu'on a le meilleur vin, pour pas être chauvin, mais c'est dû au climat. Voilà, voilà. Je suis pas chauvin du tout, hein. J'aime pas du tout la Bourgogne. C'est pas de ma faute, les autres ils font pas du bon vin, donc. Comme ça. Bon, allez, sur ça, hein. Sur ces bonnes paroles, je vais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, ça a failli faire un constat là. De repartir pour donc trois clients, deux dans le 72 et un à côté d'Angers. Donc je fais Angers demain matin et les deux 72 derrière, et apparemment je recharge juste à côté de ma dernière livraison. Donc on verra bien. On verra bien. Bonjour, on est mes jeudi et je viens, tiens, dédicace, je viens de vider mon client à Angers et maintenant je monte sur le Mans. Enfin bref, il arrive un peu vite là, mais bon, ouais. Donc je monte sur le Mans pour vider deux clients dans le 72. Donc après on verra bien. Voilà, c'est un peu particulier comme client, donc je dis tiens, je vais vous filmer ça quand même. Et puis quoi vous dire d'autre? Pas grand chose. À part que certains vont sûrement reconnaître, donc si vous reconnaissez. De toute façon, on s'en fout, il y a 50 millions de magasins. Donc, enfin, il a eu peur pour ses pieds, le gaillard. Et
plus quoi dire d'autre, pas grand chose. Je sais plus ce que je disais, du coup, j'ai des conneries sûrement. Ça serait bien que je trouve la sortie. Je sais plus où on sort. Je crois que c'est un peu plus loin là. C'est juste après. Ah, c'est original comme client, on n'en fait pas tous les jours, on est comme ça. Chargement de palette. Ah, ça, s'il y a bien un truc que je voudrais pas faire, c'est bien ça, quoi. Du chargement quoi.